C'est déjà vu, mon ami. Il faut que je contrôle tous tes papiers. Passeport, petit. Si jamais c'est ton premier voyage. Alors, commence par taper ton nom sur cette liste. Si tu nous as déjà rendu visite, retrouve ton nom sur cette liste d'attente et nous te laisserons peut-être rentrer. Choisis un nom ou même un pseudonyme. Tu peux t'inventer un surnom. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es vraiment. Salut! Je suis le génie. C'est vraiment magique, hein, ce truc? Come and welcome, bienvenue, bienvenue. Que la fête commence! Quelques conseils pratiques et en avant pour l'aventure! Ça va être génial! On va bientôt pouvoir se lancer. Mais avant toute chose, deux ou trois informations. Grâce à ta souris, tu peux aller partout. Aux quatre coins de l'écran. Voyons voir, où en étais-je? Hé, le grand bleu, regarde! Ah oui, clique en haut de l'écran si tu as besoin de quelque chose. Tu peux toujours trouver de l'aide ici. Tu en auras besoin, alors n'hésite pas. Ici, c'est l'entrée de ma salle de récré. C'est l'endroit où l'on peut jouer et rejouer sans fin mes jeux préférés. Clique ici pour enregistrer ta quête. Ou clique ici pour nous quitter. C'est ici que tu choisiras la difficulté de ta quête. Est-ce que tu veux être un surhomme, mon fils? Ou seulement passer un bon moment en y allant mollo sur le disque dur? Tu pourras toujours revenir ici et changer de niveau. Bien. Maintenant, je crois que tu es prêt. Tu n'as rien oublié. Tu as raison, Yago. Excuse-moi. De temps en temps, mon ami et moi, nous viendrons t'offrir des indices, de petites informations utiles. Clique sur nous si tu as besoin d'aide. Hé, n'hésite pas, hein. Si jamais tu en as assez de nous entendre, tu n'as qu'à appuyer une fois sur la barre d'espacement. Waouh, ça va commencer. Alain Toulman à Senrido. En route pour l'aventure. Le héros, c'est Aladdin, une tête connue. Jasmine, qui est toujours bonne. L'affreux Yago, à vous. Le singe savant, moi. Et avant tout, toi. Qui ose venir troubler mon sommeil? Un serpent? Un naja? Ah! Mais seul un humain peut être le maître d'un génie. C'est vrai! Libéré! Enfin! Je suis débarrassée une fois pour toutes de cette maudite lampe. Voilà 10 millénaires que je ne suis que son esclave. Et bien maintenant, c'est moi qui vais faire la loi. Aladdin, regarde qui est là. Hé, hey, je suis ravi de te voir. Nous allions vers la place du marché. Viens donc avec nous. T'es champion, t'es le roi, et quelle élégance! C'est pas comme moi le vieux génie au rabais du marché aux puces. Au bout de 10 millénaires, on a besoin de retouches. Oh, au fait, j'allais oublier de te remercier d'avoir interrompu mon petit déjeuner. L'almanach du désert n'a pourtant pas prévu d'orage. Je vous dis que c'est clair isolé! Rampez devant la toute puissante Pizarra! C'est effroyable. Si tu veux mon avis, on est dans la chambre des horreurs. La chambre des horreurs? Tu crois pas si bien dire? On est dans le donjon du palais. Hé, mais où sont nos amis? Cette affreuse sorcière de Misra a dû emmener Al, Jasmine et un bout autre part. Il faut les retrouver. Ils sont peut-être en danger. Ah oui, et comment tu veux qu'on le fasse? Je te rappelle qu'on est enfermés dans le donjon. Selon une vieille légende d'Akara, un passage secret permet d'entrer ici et d'en sortir. Il suffit de le découvrir. Oui, enfin, c'est plus dur à faire qu'à dire. À toi de jouer, on suivra tes ordres. Yago, toi, t'es la lanterne rouge. Nous sommes à Agrabah au 5e siècle, il est près de 13h.
Et à ma sombre usée, nommé Yazoo la Crapule vient de terminer ce donjon. Mais il a ajouté un passage secret que tout le monde appelle le mur chiffré de Yazoo. Trouve-le, il est là. Bon, voilà, on y est. Maintenant, il faut trouver un outil quelconque pour gratter le plâtre et trouver le passage secret. Je sais, c'est par là qu'on est arrivé, et c'est fermé. Non, d'un autre côté, avec un peu de peinture et un peu de rideau, ce serait assez sympa. Mais il vaudrait mieux retrouver à la moisir ici. On a fait un marché, alors à toi de jouer. Tu es au pied du mur, regarde-moi tout ce plâtre. Allez, il faut creuser un tunnel. Mon petit doigt extra-lucide me dit, serre-toi de ton burin et essaye de gratter le mur. Il y a sûrement quelque chose de merveilleux à gagner au grattage, comme le mur chiffré de Yazoo. Et le voilà, le mur chiffré de Yazoo de la Crapule. C'est la porte de sortie secrète. Seul problème, c'est que je ne connais pas le secret. Moi si. Le secret, c'est qu'il faut cliquer sur deux briques grises et additionner leur nombre pour trouver le total. Ensuite, cliquez sur une brique bleue qui correspond à ce total. Et là, les trois briques s'enfonceront dans le mur. Si tu réussis à enfoncer dans le mur toutes les briques numérotées, elles disparaîtront et on pourra passer. Allez, au travail, d'accord? J'ai hâte de sortir. Bien joué, gamin! On est libre! Allez, maintenant, on fait le mur et on va sauver Aladdin! Oui! Aladdin, Aladdin, c'est le roi! Lui aussi, compte sur toi! Aladdin, Jasmine et Abou ont disparu ce matin. Vite, il faut que tu les retrouves! Regarde, voici Jasmine. Elle est prisonnière de cette mosaïque. Et c'est justement ça, le hic. Soyez les bienvenus dans mon échoppe. Voulez-vous m'acheter l'une de ces mosaïques? Oui, on aimerait bien acheter celle-ci. Dis donc, grand bleu, comment va-t-on faire pour la payer? C'est pas le genre à accepter l'échec en bois. Pas de quoi payer? Ça ne fait rien, je vais tout de même vous proposer un arrangement. Il suffit que vous me rendiez un tout petit service et je vous l'offrirai. Tout ce que je vous demande en échange, c'est de me faire deux mosaïques. Oh, deux mosaïques, et c'est tout. Fantastique, c'est sympathique, les mosaïques. Comment fait-on des mosaïques? Excellente question, mais ces mosaïques-là ne sont pas comme les autres. Non seulement je compose mes images avec de petits morceaux de verre, mais je veux que toutes mes œuvres soient parfaitement symétriques verticalement. Regarde. Comme vous pouvez le voir, si on trace une ligne verticale au milieu de ma mosaïque, on obtient ce que l'on appelle un axe de symétrie. Les deux moitiés du dessin sont absolument identiques. On verrait exactement la même image si on plaçait un miroir sur l'axe de symétrie. C'est fascinant, vous ne trouvez pas?
À présent, choisissez une mosaïque et commencez à jouer. Allons-y. Mosaïque numéro 1. Voici les pièces dont tu peux te servir pour terminer la mosaïque. Tu peux mettre une pièce en place en cliquant dessus et en la déplaçant. Pour la faire tourner sur elle-même, clique dessus mais sans la déplacer. Hé, regarde de ce côté. Mustapheta te donne quelques indices. Tu auras toujours devant toi l'image de la mosaïque telle qu'elle doit être une fois terminée. Si tu as besoin d'un autre indice, clique et tu verras le tracé général. Clique encore et tu pourras voir le contour de chacune des pièces. Tu es génial. Tu as réussi. Bon, je propose qu'on aille tous libérer Jasmine. Tu es d'accord? Oh, tu es vraiment mon héros. Oh, bravo! C'est de l'excellent travail! Reviens travailler pour moi quand tu voudras. Quant à cette charmante mosaïque, elle est à toi. Allez, tu n'as plus qu'à libérer Jasmine avec ton burin. Oh, merci de m'avoir sauvée. J'ai eu tellement peur, si tu savais. Les cristaux étaient si froids et je craignais de me retrouver accrochée à un mur. Il faut à tout prix retrouver Abou, il sait où Bizarra a emmené Aladdin. Je vais chercher Tapi, commencer les recherches sans moi, je vous rejoindrai plus tard. Hey, on arrive chez Wattie la Combine. Excusez-moi pour les postillons. D'après Jasmine, c'est là qu'on trouvera Abou. Il faut le sauver, ce petit singe. Regarde, le labo de ce vieux sorcier. Il devrait se servir de ses formules magiques pour l'arranger un peu. Quel taudis! C'est Abou! Tiens bon, mon petit Ouistiti adoré! On va venir te sauver! Allez, voilà mon plan. Waki a le sens du commerce. Il adore faire du troc. Excusez-moi, je suis en train d'aménager mon échoppe. Oh! Des clients! Des clients, pas possible, je rêve, je suis en train de devenir marteau. Il va falloir faire du troc. Oui, mais avec quoi? J'ai trouvé! Servons-nous de ça! Je vais te faire une offre en or, troqueur de mon cœur. En échange, je vais t'offrir tous ces superbes citrons. Magnifique! Maintenant, ce qu'on veut, c'est le singe. Approche, je te prie. Viens troquer, mon ami. Pendant ce temps-là, je vais finir mes travaux. J'aménage un nouveau sous-sol. À présent, sois très attentif, je te prie. Ce Ouistiti est un trésor, une marchandise exceptionnelle. Pour l'avoir, tu dois troquer dans les règles. La pancarte te dira ce que tu peux échanger. Quand tu voudras commencer, place le nombre correct de citrons dans l'assiette de troc. Quand tu auras de quoi faire un échange, clique sur la corbeille qui contient ce que tu veux obtenir. Suis les indications de la pancarte et à la fin des échanges, tu auras le singe. On va troquer, et pas en monnaie de singe. Tu es génial! Tu viens de libérer Abou. Comment ça va, petit? Non, tu as l'air à bout. Mais cela dit, dans ton cas, c'est normal. Tu viens de sauver Abou. Entre nous, je serais vraiment ravi de t'offrir une médaille. Malheureusement, l'écran m'en empêche. Abou dit que des affreux ont emmené Aladdin jusqu'au laboratoire du vénérable pharaon roule en camion. C'est là, mais ses planches barrent l'entrée. Aladdin est sûrement à l'intérieur. Ou alors, ce pauvre Abou avait besoin d'aller aux toilettes. Non, bon. Qui m'aime me suivre? On va entrer dans ce taudis, on va s'éclater. Allez, allons tous sauver Al. Oh, fais quand même attention aux échardes. Oh, regarde-moi tous ces bijoux. Oh, enfin, je suis riche. Je les emmène avec moi.
C'est peut-être important. Abou, fais-nous voir où est Aladdin. Oh, regarde, c'est le fez d'Aladdin. Et il flotte dans un vortex tridimensionnel. Dans ce bouquin, quelque part, il y a sûrement une formule pour ouvrir ce vortex maléfique. Et après, il n'y aura plus qu'à sauver Aladdin. Heureusement que j'ai suivi un cours de hiéroglyphes chez Champollion. Apparemment, il faut que tu fasses 3 potions pour ouvrir complètement ce vortex. C'est tout à fait exact. Qui c'est, ça? C'est moi. L'esprit malin du vénérable pharaon roulant camion premier. Un esprit? Comme si on avait besoin de mots d'esprit. Ne craignez rien, mortel. Je suis revenu de l'au-delà pour vous aider à préparer vos potions. À chaque étape de la recette, tu devras suivre mes instructions en déposant des cristaux dans le plat. Mais tu pourras aussi prendre le temps d'y réfléchir et d'y revenir quand bon te semblera. Quand tu seras prêt à écouter l'indication suivante, il te suffira de cliquer sur la flèche. À tout moment, tu auras le droit d'enlever des cristaux ou d'en ajouter. Quand tu estimeras avoir terminé la recette, il te faudra mélanger ta potion. Tu devras alors cliquer sur l'éclair au centre du médaillon et à ton tour, tu deviendras un magicien. Tu peux commencer. On arrive, mon petit père. Paris pour la deuxième recette, votre pharaonité. Nom d'un perroquet. Aladdin, on va te sauver, mon pote. Allez, petit, courage, il n'y a pas une minute à perdre. Au travail, clique sur ton mulot. Tu as réussi. Tu as prouvé ta valeur. Tu as gagné. Tu as ouvert le vortex. Attention les yeux, ça va être magique. Allez, il faut sauver Al. Mais d'abord, veuillez attacher votre ceinture et redresser la tablette et le dossier de votre siège. Oh, qui a éteint la lumière? Incroyable! Hey, tu vois ce que je vois? Voilà enfin le vortex magique de la troisième dimension, au pied du mur de la réalité. Tu as entendu bien les boules en fait. Bon, avec chou, j'en ai même lâché de boules. Mais malheureusement pour toi, mon super génial pouvoir me sauvera. De toute façon, faut y aller. On peut pas faire demi-tour. Clique sur une de mes mains. Tu avanceras dans la direction qu'elle indique. Le point te montre où tu es. Continue à cliquer jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Le nombre que j'affiche, là, sur le côté, t'indique à combien de clics se trouve le tunnel de sortie. Quelle est donc cette lueur qui surgit du tunnel? C'est notre porte de sortie! Il n'y a pas de temps à perdre! Il y a un truc qui sent les pieds dans les parages! On n'a pas hâte, mais on a sa chose. C'est bien, tu es sur la bonne voie. Il faut qu'on le retrouve. Allez, continue comme ça. Tu es remarquable, c'est vrai, mais on a encore du boulot. Ne t'arrête surtout pas. Dis donc, si on est sur la bonne voie, comment ça se fait qu'on est toujours dans le noir? Hey, c'est notre prochaine sortie. Clique sur la lumière et aide-nous la liberté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Aladdin aura besoin d'une nouvelle garde-robe en sortant d'ici. Encore une lumière, clique dessus. Oh, aide-moi! Je suis prisonnier de ce vortex. Je t'en supplie, aide-moi! Ouais, c'était rigolo. Enfin, à condition d'aimer la troisième dimension. Aladdin, tu es sain et sauf.
Oui, mais il faut qu'on arrête Bizarra. Seulement, elle a cassé sa lampe en 3 morceaux. Ça, c'est moche. Ça vaut 8,5 sur l'échelle de méchanceté. Et sans maître ou sans lampe, elle est carrément invincible. Il y a sûrement un moyen de reconstituer la lampe de Bizarra. J'ai déjà le premier morceau. C'est vrai? Je l'ai attrapé quand elle m'a lancé dans le vortex. Il y a 2 autres morceaux et elle a dit qu'elle en avait caché un dans le carnaval magique. Oh, je crois bien qu'on a de la compagnie. Occupez Bizarra pendant qu'on cherchera les morceaux de la lampe. Bon, bon sang, on a eu chaud. Allons au carnaval magique retrouver le 2e morceau de la lampe. Mais le carnaval apparaît à un endroit différent chaque soir. Comment va-t-on le retrouver? Avec une carte, bien évidemment. Mais puisqu'on a un handicap géographique chronique, il faut qu'on aille voir Kamel, l'homme au chameau. Pourquoi? Parce qu'il a des tas de cartes.